Bonsoir chers amis, c'est Alex le serveur et je vous accueille dans mon hôpital de je ne sais plus quelle ville. On va voir tout ça, tout de suite, tout ça, Vertezo. Alors la fois dernière, nous nous sommes quittés alors que nous avions une urgence énormissime de je ne sais plus combien de cas de... je ne sais même plus le nom de la maladie. Ceci, la radionite, voilà. Je crois qu'il y avait 14 cas de radionite. Bon, c'est un peu énorme. Mais ça rapporte beaucoup la radionite, ça rapporte... Je suis en pause, hein. Enfin en pause, en vitesse lente, donc ça va, on a le temps. Je le trouve même pas, j'étais trop vite. Radionite, radionite, là. 2073, alors, on fait le calcul, c'est ultra bénef. Par contre pour ça il nous faut une nouvelle salle, clairement. Pour pouvoir la traiter. Salle spéciale de décontamination. Voilà. Parce qu'il nous faut moins deux salles pour ça. Alors, Lucille m'a donné plein d'astuces. Mais comme j'ai une mémoire de papillon, je les ai déjà... Pardon, oublié. Alors, notamment, il faut pas hésiter à laisser les médecins en dehors des salles, sinon ils se fatiguent. S'ils sont dans les salles à rien faire, ils se fatiguent plus vite. Voilà. Alors, on se souvient, il nous faut un max de thunes dans ce scénario pour réussir. 200 000, effectivement. Donc c'est un peu fifou. Alors les chirurgiens sont là. Donc ça c'est pour la fatigue. Pour la fatigue aussi elle m'a rappelé, mais ça je m'en souvenais qu'on pouvait... Voilà. Baisser un petit peu la tolérance au repos. Bon, c'est pas... Psy, alors, le psy s'en va se reposer. Le consultant. Autre consultant. Bah tiens, justement, toi mon coco. Brom. Ici. Bon. 14K. Faut vraiment que ça aille super vite quand même. Bon, on va voir déjà. Au pire, on fera une troisième salle et on la revendra. Alors déjà. Déjà l'autre affilée, super. Donc. Des os, mais priorité ici. J'aimerais bien que tu restes là. Et que l'autre... Il n'y a personne. C'est le chercheur. Limite, je pourrais le mettre... je pourrais l'y mettre quand même. Bon. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Purée, non mais vraiment... Il y a un autre qui ira, je m'en fous, mais toi tu restes là. Il va aller en quelle salle? Gonflage. Ou Thaïlande. Voilà, Thaïlande. Hop. C'est bon. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Oh purée. Ouais. Je crois que c'est assez long à traiter en plus. Reste là. Bon, toi t'es là, c'est bien. Voilà, gonflage. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Il m'agace, hein.
Ouh, c'est le ralenti. Ça va être trop chaud en termes de temps. Celle-là, je la détruirai. Je la fais juste là, vite fait, histoire de. Du coup, je la fais un peu à l'arrache. Un médecin est demandé en salle de Thaïlande. S'en fout de la salle de Thaïlande. Toc toc toc. Un médecin est demandé en place de doublage. Pourquoi ils font du moonwalk? Pourquoi tu fais du moonwalk, madame? Là, ça devrait le faire. Ah, mais s'ils sont bloqués comme ça... Donc là, un. Là, personne. Toi, je peux t'envoyer là. Bon, il y a eu des bugs. C'est pas comme si c'était le premier qui arrivait. Et logiquement, je crois que j'ai guéri tout le monde. Super efficace. Par contre, je vais détruire ces deux salles, je pense. Parce que clairement, une salle de décontamination, c'est amplement suffisant. Voilà. Ah, puis c'est de l'entretien en plus. J'ai pas envie que ça explose. J'ai eu suffisamment. L'infirmière est demandée en salle des malades. Cauchemar sur les explications. Sors! Sors! Tu me fais perdre mon temps là, mec. Voilà. 13 sur 13. On en avait 13. Ça rapportait 6500. Bon, ça rapporte pas beaucoup en termes de primes. Mais par contre, 2000 x 13, 26000. Ça fait du bien. En termes de valeur, on en est où? Ah, on est un peu en dessous de ce qu'il faut. Un médecin est demandé en salle d'implantation capillaire. Appel de service. Alerte à l'épidémie. Oh, c'est pas vrai. 2000, bon, on peut le tenter. Alors oui, pareil, c'est ce que m'a expliqué Lucille. Normalement, il y a un patient zéro qu'il faut soigner. Obligatoirement. Il faut le soigner pour la maladie. Et il ne faut pas se contenter de faire le vaccin. Donc c'est pas la peine que je cherche les gens qui s'enfuient et ce genre de choses. Il faut juste que je soigne le patient zéro. Alors je pense que je peux rajouter une salle de psychiatrie. Il n'y a pas grand monde, hein, j'ai l'impression, ici. Donc logiquement, si je soigne cette patiente, ça devrait être bon. Alors comme d'hab, regrouper. Donc ici, je vais mettre une médecine générale. Toujours dans cette optique de regrouper les salles selon leur thématique. L'épidémie a été éradiquée. Ah voilà, donc là j'ai gagné de l'argent. Tac.
J'aurais qu'à... Personne d'intéressant à embaucher. Alors par contre la psychiatrie du coup je peux pas en remettre un ici à côté, mais je pourrais peut-être en mettre un là. Oui tiens, c'est pas très loin. Allez. Quoique là il y a plus personne en fait. Encore? Mais... C'est quoi? Épidémie de courante. Alors. Merveilleux hôpital selon André Peton, mais merci beaucoup monsieur Peton. Un médecin est demandé en salle de cardiomachine. Oh, là par contre ça a foiré. Ah! Peut-être qu'il faut le vacciner et après le soigner. Je crois que c'est ça, inspecteur sanitaire. L'infirmière est demandée en salle des malades. C'est un peu compliqué sur les épidémies. Ah non! Préjudice. D'accord. Bon bah très bien. Personne dans la file. 233 visiteurs. Waouh. Il y en a eu du monde qui est passé par là. Du coup toi, je te sors. Ah bah. Je pouvais t'y laisser. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Alors. Ok, ok. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Ah! Ah! Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Un agent de maintenance pour réparer les rayons X, s'il vous plaît. J'ai pas de rayon X, a priori. Demandé en salle d'opération. Réparez-moi tout là. Bon, y a rien qui a l'air trop en trop mauvais état. Surtout pas de mort, s'il vous plaît. Comme d'hab, des problèmes avec les chirurgiens. Ah bah, mince, il est arrivé. Un médecin est demandé en salle de scanner. Bon, c'est bon, on a survécu au tremblement de terre. Ça vaut bien une petite sauvegarde. Voilà. Un médecin est demandé en salle de cardiomachine. Ouais, non, il n'y a pas tant de monde que ça en psychiatrie, en fait. Je sais pas ce que je pourrais construire comme... Une salle d'analyse sanguine. Ça vaut pas vraiment le coup. C'est vrai que mes salles de diagnostic sont un petit peu loin. Ouais, encore que. L'entrée est là. 1er juillet, y a-t-il des candidats intéressants? Non. Oh là là, grosse augmentation. Une urgence. Deux personnes de pierre de golf, mais oui. Alors les pierres de golf, ça se soigne. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. En salle d'opération. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Appel de service. Arrivée de patients souffrant de pierres de golf. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Un médecin est demandé en salle de scanner. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Une infirmière est demandée en salle des fractures.
Une infirmière est demandée à la pharmacie. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Allez. Un médecin est demandé au cabinet. Il en faut partout des médecins. Un médecin est demandé en salle de cardiomachine. Oh là 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 là. Oh, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde là d'un coup. Une infirmière est demandée en salle des malades. Oui, alors non, alors là par contre les enfants. OK, Speedy Gonzalez, tu nous l'as fait rapidement. Pourquoi elle travaille pas, elle? Je me tâte à reprendre un chirurgien quand même. Mais il est vraiment pas très compétent. Un rat. Un médecin est demandé en salle de scanner. Logiquement, des sous. On a sauvé deux personnes. Oh, j'en peux plus ces annonces. Un médecin est demandé en salle de cardiomachine. Je vais mettre une salle de formation parce que ça m'épuise. Ça m'épuise. S'en fout qu'elle soit là ou là. Je vais la mettre là, voilà. Tout en long. Un agent de maintenance est demandé pour réparer le Tailang. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Qu'est-ce qu'il y a le Tailang? Pourquoi ils me font stresser comme ça? C'est le moumouteur qui déconne. Ah là là, alors, avant, on va regarder les médecins. Non mais vraiment, ça c'est épuisant, ça m'énerve. C'est très énervant, un petit texto, pardon. Une infirmière est demandée en salle des malades. Je réponds vite fait. Une infirmière est demandée en salle des fractures. C'était monsieur chéri qui m'écrivait. Non mais il y a plein d'infirmières, alors arrêtez de faire genre, il n'y en a pas. Les chairs, les casiers, les squelettes, les plans des radiateurs. Alors, les radiateurs, déjà. On va faire une vraie salle de classe. Le projecteur. On va rajouter. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Voilà. Un médecin est demandé en salle de scanner. Ok. Un médecin est demandé en salle d'implantation capillaire. On va choper un consultant qui est oisif. Hop, voilà, il est
tout neuf maintenant. Voilà. Bon, ça va un petit peu rogner sur notre efficacité pour l'instant. Mais à terme, ça devrait, au contraire, nous booster. Pourquoi tu marches aussi peu rapidement? C'est un psychiatre interne. Il tente de te perfectionner, mon coco. Le rat. Mince, pas eu le temps. Hop. Ah, je peux pas le détruire. Bon, sinon, on peut dire que ça tourne plutôt bien. J'aime bien les chirurgiens. Enfin, quand ils me coûtent pas trop cher. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il y a? Un agent de maintenance pour réparer les rayons X, s'il vous plaît. 12 chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Elle me fait stresser à demander des agents de maintenance pour des trucs qu'on n'a pas. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Il faut des médecins partout! Alors, on doit avoir 200 000 et l'hôpital, il nous manque encore 11 000. Un médecin est demandé au bureau en valeur. On construira une salle qui coûte 11 000. Bah, peut-être remettre une salle de décontamination en fait. Peut-être la salle... Au cabinet de psychiatrie. Un autre scanner? Je ne sais pas. Alors, 130 000, bon ça c'est très bien déjà. Le plus riche, on n'est pas loin, 142 000. Le plus haut salaire, c'est nous, 10 fois plus que le deuxième. Guérison, waouh, 100 de plus. 2 décès, zut. Visiteur maxi, 402. Valeur totale, on est largement au-dessus. Alors, ah, un sol noir. Mauvaise nouvelle d'abord. Ah, les fameuses machines, comme d'habitude. Et sinon, la meilleure réputation, plus 4000. L'énorme taux de guérison, plus 4000. La propreté, plus 29 en réputation. Meilleure réputation, plus 2000. Et pas de râle pour avoir su garder vivant 100% des patients au cours de l'année passée. Donc il y a eu 2 morts, mais c'était lors de la première année. Donc ça va. Allez, un petit coup de sang qui machine. La sanguine machine est un matériel de diagnostic qui étudie le sang des patients pour détecter les anomalies. Je me souvenais... Il me semblait que je n'avais déjà construit une en fait dans le jeu. Donc si vous n'avez pas encore vu le pompage de sang made in sanguine machine... Mais c'est le formateur. Pourquoi tu t'en vas? Oh le relou. Bon. Ça c'est bad. Je profite d'avoir plein de sous pour voilà, ajouter un mec pour nettoyer tout ça. Je prends ce consultant là. Des os. Pas des os. Est-ce qu'il manquerait pas une salle de repos encore? Hop. Alors, radiateur. Là, une petite table de billard. Sofa. Sofa.
Voilà. Ah, mais pourquoi ils se barrent tous d'un coup, là? Waouh, eh, c'est la fuite des consultants d'un coup. J'ai perdu mon chercheur. Bon, ben, il sera beaucoup moins efficace, ça c'est sûr, celui-là. C'est un peu embêtant, là. Je vais choper un psychiatre avant que mon consultant psychiatre disparaisse. Chirurgien. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. J'ai flippé. Ça tourne moins bien d'un coup. Oula. Alors elle a failli mourir. Donc... C'est bon. Voilà, on a clairement perdu en efficacité. Va falloir faire quelque chose. Oui, 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 je vous paye tout ce que vous voulez tant que vous étudiez bien. Il est déjà passé médecin. Ça va vite. Ouh là là. Bon, on va la tenter. Ah mais pourquoi je peux pas là-dessus? Falloir essayer tout ce petit monde hein. Allez les infirmières parce qu'ils sont nombreux là, les quatre courantes. Ah je vous ai pas montré la sanguine machine. Alors lui il est triste, ça veut dire qu'il va clamser. Il attend quoi? Avance diagnostic? Non désolé. Oh, réputation et amende. 16 000. Ça fait mal. Ah, la sanguine machine. Quelqu'un va y avoir droit. Allez. Ah bah non, bah il s'est lassé avant. Flûte. C'est malin. Ah mais il y en a un autre, mais il est où? Peut-être aux toilettes. Sûrement aux toilettes.
Alors, le conseiller était moins convaincu que Monsieur Peuton. Cristo Reno, épidémie. Ouais, on va tenter de l'avoir. Oh purée! Je vais me taper une amende encore. Là c'est bon, c'est mort. Putain, mais elles font quoi les infirmières là? Deux grosses amendes d'un coup, ça fait du mal hein. Ah voilà. Voilà donc. Ah, on n'a pas vu la petite. Il y a d'autres personnes qui attendent, on va voir. 24 000. Pfff. Moi franchement on me fait des prises de sang comme ça, je chiale. Hein. Un médecin est demandé en salle de scanner. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Un médecin est demandé en salle de cardiomachine. Bon, au moins ça rapporte. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Ouais, mais les consultants, c'est tellement plus rapide. Un agent de maintenance est demandé pour réparer le Thaïlande. Non. C'est le moumouteur, encore une fois. Un petit peu en perte de vitesse là, j'aimerais bien qu'on passe ce niveau pour pouvoir voir les prochaines maladies. Les gens sont un peu gloomy ici, je vais mettre des plantes. Un médecin est demandé en salle de sanguimachine. Sur le dos, bien sûr, bien sûr. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Ah, pas d'épidémie de vomi, s'il vous plaît. En thune, c'est un peu triste là. Faut se reprendre. À lâcher quelques médecins. Ça rentre pas très vite, hein. Une fois qu'ils sont passés médecins. Ah, des sous! Des sous là! C'est pour ça que c'est important d'avoir des, comment dire, des consultants pour pouvoir ben, les diagnostiquer avant qu'ils se lassent. Parce que si ça fait trop longtemps qu'ils attendent dans l'hôpital, ils finissent par se barrer. Et là j'ai l'impression qu'il y a des grosses files d'attente. Ça me plaît pas trop. Chirurgien. Docteur, chirurgien. Il n'y a plus de consultants. Demander des augmentations, cela. Oh putain. Mmh. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Un médecin est demandé au bureau du généraliste.
C'est crade quand même. Un médecin est demandé en salle de cardiomachine. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Oh là là. Un médecin est demandé en salle de... Ils attendent tous quoi? Mais... Oh là! Mais la chirurgie là, il se passe quoi? Docteur... Oh putain. Évidemment je tombe sur le sol qui n'est pas chirurgien. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. 100 000 chirurgiens sont demandés là. Oh non, c'est pas vrai, il est crevé. Il y en avait un. Non! Mais non! C'est quoi qui sonne? Le rat. Oh, c'est pas vrai. C'est le bordel là, j'ai l'impression d'un coup. Pourquoi tu marches aussi lentement? T'es compétent, tu devrais être plus rapide. Et pourquoi t'es rapide d'un coup comme ça? Ça a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jeu devient fou? J'ai peur. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Un médecin est demandé en salle de... Non mais cette file d'attente là pour la salle d'opération, c'est incroyable. Sa Majesté de tout là-bas, mais oui, soyez les bienvenus. Oh purée. Un médecin est demandé en salle de cardiomachine. Un médecin est demandé au bureau du général. Yes. Voilà, remplacé. Elle sera plus résistante. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. On veut des consultants. Si long que ça. Oui, fatalement, il y a beaucoup plus de gens qui passent au scanner. Vu qu'il y a plus de consultants qui font les consultations généralistes. De valeur, est-ce qu'on y est? Toujours pas. Il manque 5000. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Une personnalité visite l'hôpital. Mais je modifie le truc, faut que tu sortes. Oh là là. Oh le... Ça vaut presque 5000. Parfait. Tu veux une grosse augmentation? C'est pas grave. Je te pardonne. Combien on est maintenant? 130 705. C'est bon. On y est. C'est pas vrai. Une infirmière est demandée en salle des fractures. Toujours un qui est crevé là. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Bon, on a combien d'infirmières? Une infirmière est demandée en salle de Thaïlande. C'est pas ici. 4. 1, 2. Alors, ok. 143 000, on a bien monté. Oh, on a eu un décès cette année. Flûte. Alors, bon, les machines, comme d'habitude. La réputation, le taux de guérison, la propreté, la qualité et la réputation, et les ventes de soda. Bah, ça fait pas mal de sous quand même, on va pas se plaindre. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Un consultant, même si c'est un consultant chercheur, on va le laisser sur le terrain. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Une infirmière est demandée à la pharmacie.
Arrête avec les rayons X. Oula, mais... Je remplace la machine. Ça vaut mieux. Oui, la sanguine machine. Attention, alerte à l'épidémie. Oh, ça faisait longtemps. Un médecin est demandé en salle de gonflage. Je suis en mode vénère. Il y a suffisamment d'infirmières. Me faites pas croire qu'il y a pas assez d'infirmières. Il y a plus d'infirmières que de salles, j'ai l'impression, donc bon. Une, deux... Il nous faut quatre infirmières, normalement j'en ai cinq. Ouais, bon, ça va. Ça va! Un médecin est demandé en salle de gonflage. Une infirmière est demandée en salle des fractures. Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Alors, la victoire. On a soigné 464 personnes et il nous manque environ 30 000. Je vais dire Simflouz. On n'est pas dans les Sims. Bien, ça avance bien. Bah, je vais en profiter pour faire un petit peu ma publicité, comme ça fonctionne bien là. Ça tourne. Alors, sur ma chaîne YouTube, en ce moment, vous pouvez bien sûr vous abonner, comme vous pouvez me laisser des commentaires pour me faire des suggestions de jeux. Mais là... Récemment, je me suis mis à Pokémon Argent. Bon, il y en a qui pissait juste devant. Pokémon Argent. Donc, si ça vous dit, ce jeu sorti en 2001 chez nous, 99 au Japon. Deuxième génération sur Game Boy. Donc, voilà, vraiment le jeu original. Alors, c'est... C'est la deuxième génération, ça s'est fait par un petit sondage sur Twitter. Voilà, il y a eu un vote et la deuxième génération a gagné à près de 40%. Donc voilà. Parmi les quatre propositions. Et voilà, franchement, c'est rigolo. Je mets des noms de personnes si vous voulez être dans l'équipe. Si vous voulez être un Pokémon, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur les vidéos. Ça me fait plaisir de me replonger aussi dans des vieux jeux Game Boy, puisque là c'est beaucoup de jeux PC que j'ai fait. Bah voilà, je vais vous montrer un petit peu autre chose. On y est presque, 185 000. L'épidémie est sous contrôle. Ah, on a réussi. 7005 en plus pour nous, super. Et il manque toujours un... chirurgien, comme d'habitude. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Allez, les thunes sont là, les thunes sont là. Cabinet de psychiatrie. Un médecin est demandé en salle de Thaïlande. On y est presque. Oh. Des consultants. Je craque. Sont tellement rapides, tellement efficaces. Oh, je les aime. Je les aime, mes consultants. Même si j'avais tendance à en embaucher un petit peu trop au début de la partie. Bon, et là, j'ai quand même beaucoup de médecins. En même temps, j'ai eu 3 départs. J'en ai marre des demandes pour les agents de maintenance. On va la tenter. Oh, ça va être mauvais. La fille va être soignée, elle va se barrer et du coup, paf, ça va déconner. Non, oui, non, oui, non. Je sais pas. Je comprends toujours pas exactement. Il va être caché. Voilà.
Pourquoi ça fume alors que... Ça, ça déconne pas. Pas convaincu, monsieur de tout là-bas. Toi, faut te soigner, hein. J'ai l'impression qu'il y a plus grand monde là d'un coup. Allez là, elle. Cours lui après. Chope là. Tac, c'est bon. Ah, le rat, j'ai loupé. Là, il y en a un. Rapide, énormément dans cet hôpital de malheur. J'ai l'impression de passer mon temps à aller choper des chirurgiens. Ah mince. Ouais, mais il est épuisé ton... celui-là. Non, qu'est-ce que tu changes? Deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Un médecin est demandé en salle d'implantation capillaire. Un médecin est attendu en salle de décontamination. Allez, fin juin, normalement, si on a les thunes, on est bon. Parce que c'est la fin de chaque trimestre, comme je vous avais expliqué. On aura le temps, normalement, de voir le début de la prochaine mission. Un médecin est demandé au bureau du généraliste. Un médecin est demandé en salle de cardio-machine. Un médecin est demandé en salle de sanguimachine. Médecin est demandé au bureau du généraliste. Un agent de maintenance est demandé pour réparer le Tailang. Un agent de maintenance pour réparer les rayons X. C'est le moumouteur qui déconne surtout. Et pourquoi ça... Ah, préjudice, 4005, super. Un médecin est demandé en salle d'implantation capillaire. Attention, ce gars. Oh. Très purulente. Allez. On en avait une sur sa tête, lui, j'avais l'impression. Oh là. Allez. Allez, là, les infirmières en goguette. C'est le moteur qui déconne. Et... Oh! Estimable Lou, félicitations! Le ministère de la Santé est très impressionné par vos capacités à gérer cet hôpital. Vous êtes un exemple de réussite dans ce domaine. Vous voudrez peut-être une situation plus élevée toutefois. Vous serez payé 153 946 et la décision vous revient. Êtes-vous prêt à accepter un poste à l'hôpital de Manquet? Se rapproche de la fin. Hein. À vous de gérer l'hôpital le plus efficace et le plus rentable possible. Les gens du coin sont bien nantis, alors pompez-leur tout le fric que vous pourrez. Soigner les gens, c'est bien joli, mais vous avez besoin de l'argent que ça rapporte. Ratissez tous ces malades. Attissez un joli paquet de 300 000 dollars pour terminer ce niveau. Waouh. Alors déjà, une sauvegarde, partie 1. La carte... Ok, donc on commence vraiment là. Waouh, 300 000. % des visiteurs à soigner, 400 personnes à soigner. Valeur de 180 000. Ok. Les embauches. Alors, les spécialistes, comme d'habitude, petite priorité. Pas de consultant. Hop, hop, hop. Donc, on va prendre tous les gens très compétents. Ok. Et enfin, une réceptionniste. Ok. Bureau. Bon.
Distributeur, extincteur. Non, pas extincteur. Radiateur. Plante, plante. Voilà. Ok, on va rajouter. Les patients doivent tenir prête leur carte de crédit. Évidemment. Surtout dans ce niveau, apparemment. Alors. Da-da-da-da-dam. On a vraiment beaucoup de place. Il m'en reste que 3 là du coup, donc on va plutôt mettre 5 et on va l'agrandir dans ce sens là. Voilà. Deux, trois, quatre, plante. Oui, admettons qu'on fasse comme ça. Du coup, le radiateur, je peux le poser là. Et demander au bureau du généraliste. Voilà. Bon, distributeur, bon. Ah merde. Ça va passer. Si elle passe pour rien. On va réduire un peu la vitesse. Oui. Bon, ils sont plutôt intéressés par la salle de diag pour le coup. Une petite psychiatrie. Alors, dans un souci d'efficacité, on va mettre le paravent pas trop loin de la sortie. Idem pour le canapé. Voilà. Un casier à livre, une poubelle, un squelette, plante, plante, 1, 2, 3, 4 radiateurs. Pour le squelette, on va s'en passer. Voilà. Alors, des embauches. Oh là ! Bon, ça sent les... l'absence de médecins très compétents. Mais bon. Hmm.
Je me tâte. Ouf. Alors, une pharmacie un moment. mille. Est-ce que ça vaut le coup? Franchement, j'ai de la place, mais c'est un investissement. Où arrivent les urgences? Là. Ouais, sachant que les urgences arrivent là. Voilà. Je peux avoir une salle plus intéressante ici. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Plantes, poubelles. Ok. Bon, distributeur. Fou rire. Bah, c'est très bien, ça se soigne directement en psychiatrie. Ouais, non. Je vais remettre plus lent parce que quand même... salle de repos. Nous prions toutes les personnes d'éviter d'être malades dans les couloirs. 1, 2, parce qu'il y en a un à côté de radiateur, donc c'est pas la peine. Plante, jeux vidéo, surtout des sofas. Table de billard passe pas, c'est pas grave. Autre sofa. Ça peut ressembler à rien là. Voilà. Main moite, psychiatre aussi, donc c'est bon. Alors, faudra que je pense aux toilettes. On a la pharmacie. Rectoïde. Justement, ça se soigne à la pharmacie. Une infirmière est demandée à la pharmacie. Eh ben, elle va y aller. Bon, diagnostic. Là, je mettrais peut-être... Si je mets tous mes diagnostics par là, franchement, ça devrait aller. Du coup... Ouais, allez. On va le mettre ici. Le département recherche. Parce que c'est quand même important. 1, 2, 3, 4. Plante, plante, poubelle, bureau, classeur... Et la fameuse machine qui prend toujours autant de place. Et là, il y aura de place pour l'ordinateur, donc c'est très bien.
Ah, c'est suffisant. Une urgence déjà. Pierre de golf. Non, pour une personne. Et pour 1000, c'est pas la peine. Hop, mon consultant chercheur. On va changer la recherche. Et puis, on va se dire au revoir, parce que ça fait déjà une heure, les amis. Alors, bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et je réponds à chaque fois, avec application, à vos commentaires. Un petit pouce bleu pour l'effort, s'il vous plaît. Ce sera gentil aussi. Ça m'encouragera à me faire des vidéos. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous donc à ma chaîne pour voir les nouveautés, pour voir par exemple Pokémon Argent ou Imperm Galactica, un vieux jeu PC, ou Créature, un jeu en rapport avec la génétique. Donc si vous aimez bien la médecine, peut-être que la génétique vous passionne. Donc n'hésitez pas à aller voir ce jeu très très bien. Et tout ça c'est sur ma chaîne, donc abonnez-vous, vous êtes déjà plus de 200 et je vous en remercie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures médicales. Salut à tous.